Convié sur le plateau de Faustine Bollaert, Philippe Candeloro s'est laissé aller à des confidences. Il s'est notamment confié sur son père, qui a succombé des suites d'un cancer. Il s'en passe des choses sur le plateau de Ça commence aujourd'hui. Le 8 décembre, Faustine Bollaert recevait une belle brochette d'invités sur son plateau, à savoir Jarry, Sarah Habitbol ainsi que Philippe Candeloro. Ce dernier a notamment ému toute l'assistance en évoquant le décès de son père. Une maladie éprouvante, Philippe Candeloro a un lourd passif avec le cancer. Il avait même eu l'occasion de participer à Star à nu, dans le but de sensibiliser la population à se faire dépister au cancer du sein et de la prostate. Il faut savoir que son père a été emporté par un cancer du prostate. Ce mal n'a pas seulement été très éprouvant pour ce dernier mais aussi pour toute sa famille. Le plus difficile, c'est qu'ils ont dû assister à la déchéance de son père. D'autant que ce dernier a dû subir des traitements très lourds, encore plus que les protocoles en vigueur actuellement. Ainsi, le patineur a vu son père dépérir, et ce, même après une ablation de la prostate. Il était d'ailleurs très pessimiste sur le sort de son pauvre père, les médecins m'avaient dit qu'au niveau de la maladie, il n'avait plus rien, qu'il était guéri. Mais lui, je le voyais, il était fatigué. Je voyais que c'était fini pour lui. Un deuil rapide comme il fallait s'en douter, la famille ainsi que les proches du défunt étaient énormément chamboulés par sa disparition. Cela dit, chacun a sa manière de faire son deuil. Pour sa part, Philippe Candeloro a fait un deuil plutôt rapide. En effet, il s'était dit que cela était sans doute mieux pour lui, étant donné les souffrances qu'il a vécues pendant qu'il était encore en proie à la maladie. Le mari d'Olivia Darmon est d'ailleurs convaincu que son père avait fini par en avoir marre de la vie. Révélation sur son salaire en 2011, Philippe Candeloro participait à Danse avec les Stars. Convié dans l'instant de luxe, il a donc été questionné sur son salaire dans l'émission. Ne pouvant pas révéler le montant, le patineur a néanmoins donné une réponse approximative. Philippe Candeloro pose lors d'une séance de portrait à Paris, France le 24 septembre 2020. Photo, Getty.